Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle gamme de produits qui arrive sur LudiWorld. Ce sont les fabuleux et très connus livres Où est Charlie ? Donc vous aviez peut-être déjà vu ma précédente vidéo où j'avais reçu beaucoup de produits différents pour Noël. Donc je vous avais brièvement parlé de ces bouquins-là, mais je voulais y revenir en détail parce que c'est tout bête, mais je suis très content d'en vendre. C'est des produits qui sont vraiment emblématiques pour moi, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Et en cette période de Noël, parler des petits cadeaux comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc j'ai reçu 5 livres différents. Vous avez le livre magique, hop. Vous faire voir en caméra déportée, voilà. Vous avez, alors j'arrive pas à lire à l'envers, le voyage fantastique, toc. Je vais vous faire voir également sur la caméra déportée. Ça, c'est la grande expo, hop. Vous me direz aussi dans les commentaires Facebook ou YouTube. J'ai placé la caméra un petit peu différemment de d'habitude, ce qui fait qu'il y a un plan un petit peu plus large, un petit peu plus haut. Voilà, vous me direz si ça vous convient ou pas, je suis peut-être un petit peu loin, mais bon, en même temps, j'ai pas besoin de montrer ma tête trop près. Donc ça, c'est la grande expo, je vous fais voir également sur la caméra déportée. Hop. J'ai reçu ça, c'est le carnet secret. Toc. Je vous fais voir aussi. Hop. Et pour terminer, Où est Charlie à Hollywood. Donc chaque bouquin est une édition collector, à savoir que la pochette se transforme en poster. Donc hop, je vais vous faire voir un petit peu. Par exemple, sur ce bouquin là, vous avez le poster. Voilà, comme ceci. Donc c'est super joli, je trouve. Hop. Alors si vous ne connaissez pas le principe des livres Où est Charlie, je vais vous faire voir sur la caméra déportée. Hop. Donc vous avez des livres avec de très grandes illustrations, de très grandes fresques. Donc on va bien en trouver une. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez tout ça là, les petits détails, ce sont que des personnages. Et le but du jeu, c'est de retrouver Charlie, qui est planqué quelque part parmi cette immensité de personnages. Donc Charlie, inutile de le présenter, ça va être la personne que vous voyez, hop, voilà ici, avec son petit chapeau, sa chemise, bon là on ne le voit pas, mais une chemise rouge et blanche, ses petites lunettes, et il faut le retrouver parmi tous ces personnages-là. Donc à chaque page, vous avez une grande fresque, et à chaque grande fresque vous avez un jeu complet. Donc vous pouvez retrouver Où est Charlie, vous avez aussi plein d'autres personnages à retrouver à l'intérieur. Alors bon, ça date d'il y a un petit peu longtemps pour moi, je vais essayer de vous donner dans le détail les personnages que l'on peut retrouver. Alors à la fin vous avez une petite checklist, je vais vous faire voir, voilà. C'est pas très pratique, je suis désolé, mais vous avez des cases à cocher pour savoir si vous avez retrouvé ou non certains détails. Donc si je prends la première scène, vous pouvez retrouver un homme à qui on ôte le pain de la bouche, vous pouvez retrouver un agent double, un homme au-dessus de la mêlée, un orchestre qui balance, une étoile verte sur une balle jaune, une machine soufflant un vent de panique, une scène romantique, une femme avec un bonnet de bain jaune, etc. Donc ça vous donne un petit peu les indications et les choses un petit peu farfelues qu'on peut essayer de trouver, et je vous garantis que vu le détail des illustrations et vu le nombre de choses qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas évident. Regardez comment c'est magnifique, l'ambiance un petit peu hop, je vais essayer de bien vous faire voir, je suis désolé, c'est pas très pratique. Voilà, l'ambiance western, c'est vraiment sublime. Donc bon, je ne vais pas vous faire voir tout dans le détail, mais je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer que je faisais ce type de produit maintenant. Donc je suis extrêmement content. Donc ce sont des bandes dessinées qui valent 9,95€ chacune.
Donc ça reste un prix raisonnable, un prix traditionnel de bande dessinée. Et voilà. Toc. Et je vous garantis que ça laisse des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Hop. Donc voilà, bah c'est disponible tout de suite maintenant sur le site. N'hésitez pas à aller consulter. Si vous voyez que c'est en rupture, j'ai des réassorts très très régulièrement. Donc voilà, ça reste jamais bien longtemps. Si vous passez une commande le lundi par exemple et que le produit n'est pas disponible, il y a de fortes chances que je le reçoive le mardi voire le mercredi et votre commande va être traitée très 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 rapidement. Il n'y a pas de souci. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut !